C'est Fluffy, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mijina où il nous reste plus que 2 épisodes pour finir notre ville. Donc j'ai fait quelques petites choses sans vous entre l'épisode dernier et cet épisode-ci. Normalement, si vous allez visiter le code onirique de Mijina mardi soir, donc ce soir ou dans la semaine, vous aurez toutes les nouveautés qui seront mises dans le code onirique qui n'a pas changé et qui est toujours là-haut. En tout cas, on va commencer avec la fluff question qui me demande entre Nadjina et Mijina, quelle est la ville que tu préfères? Je te répondrai sans aucune hésitation, Mijina. Pourquoi? Parce que je préfère son thème un peu coloré, son thème un peu plus unique que le thème naturel. Voilà, après une ville naturelle c'est bien à avoir aussi dans sa petite collection. Alors... comme vous pouvez le voir, j'ai enfin mon foutu tapis magique, donc je remercie, vous avez été pas mal à m'en proposer, mais malheureusement il fallait que je fasse un choix, c'est pas parce que votre motif n'est pas beau ou quoi que ce soit, c'est juste que celui-ci était la représentation du tapis magique de Aladdin, et donc du coup j'ai eu un gros coup de cœur, donc merci à toi Vitaly pour cette représentation du tapis magique. Normalement quand vous arrivez dans la ville, le lit est juste ici, et vous pouvez, enfin vous descendez directement sur le tapis magique, voilà, donc c'est pour ça que je l'ai mis là. Il y en a un petit peu partout dans ma ville, enfin un petit peu partout, j'en ai peut-être mis 2 ou 3. Ici c'est bouclé, on avait fini le coin fête, on devait commencer le coin plume ensemble. Et du coup je pense aussi faire le coin Noël, le coin de devant chez Loompa en même temps dans cette vidéo. Et j'ai enfin trouvé le dernier coin, enfin le dernier coin, les 2 derniers coins que je vais faire en remontant chez Misty, donc je vous en dis pas plus, on va peut-être pas non plus tout spoiler, hein. Les maisons ont été améliorées, j'ai fait quelques nouveautés dans les maisons, mais je vais pas vous dire quoi et je vais pas vous montrer, parce qu'il faut qu'il reste du suspense pour les autres épisodes ou pour la visite finale ou quand vous allez visiter le code onirique, voilà. J'adore vraiment ce tapis volant. Il est juste magnifique. Oui, donc j'ai arrangé ce coucher de soleil aussi. Hein. J'ai remis mes patterns à moi, ceux que j'adore, en fait, tout simplement. Mes dalles, donc j'ai mis bleu et violet ici, et en orange et rose pour le bas. Bon, ça fait à peu près coucher de soleil. Je vous cache pas que j'aurais pu faire mieux. J'étais bloquée par un buisson. Et ici, on va faire le coin de Loompa. Ah, ça a pas tout poussé, c'est dommage. Hein. Donc voilà, j'ai décidé de mettre 2 cèdres. Ici, entouré de cadeaux, tout simplement pour représenter le grand arbre de Noël avec les cadeaux au pied du sapin. Par contre, j'ai peut-être pris un peu trop de cadeaux. Je suis un peu... C'est pas grave. Du coup, je vais poser tout ça. Donc, les cadeaux que vous avez à l'intérieur... enfin, oui, les cadeaux que vous avez à l'intérieur des papiers cadeaux. What the fuck? Bref, hein. Eh bien, ce sont des objets qui sont utilisables dans la ville. Il me semble qu'il y a un truc pour appeler Morsicus. Je sais plus ce que j'ai mis, je sais plus ce que j'ai mis. Des glaces, des moulins, des trucs comme ça. Hop. Donc ça fait un sapin bien garni, mais j'aime bien l'initiative. Ensuite, là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mettre des sols. Enfin, ouais, des sols... parce que je vois pas trop comment est-ce que je pourrais représenter plus Noël dans le coin de Loompa. Devant la maison ici, j'ai déjà mis quelques petits rennes. Hein. Enfin, un petit renne, voilà. J'ai plus de place dans mes motifs en fait, donc du coup c'est un peu la galère. On va pas se le cacher. Et donc du coup je peux plus mettre de motifs, donc du coup c'est pas grave, on fait avec les moyens du bord. Et j'ai mis dans l'horloge féerique ici, illuminé. Oui, je crois que c'est ça, illuminé. Parce que je trouvais ça sympa. Voilà, voilà. Bon, du coup, je vais poser tous les sols et je vous retrouve tout de suite. Eh bien, écoutez, c'est bon, j'ai fini de poser tous mes sols dans le coin Papa Noël. Bon, je pense par contre que c'est sujet à modification. Je vais essayer quand même de faire une place, une malheureuse place dans mes motifs pour essayer de trouver une dalle de Noël. Enfin, ça va être compliqué. Mais n'hésitez pas à envoyer vos liens de dalle Noël. J'enlèverai les liens des spams. C'est pas un souci. Mais n'hésitez pas à partager, à proposer. Oh, ça m'a pas enlevé mon tapis volant. Ouh, donc je vais quand même vous montrer le résultat que ça fait. Donc oui, j'avais mis des petits lampadaires féeriques ici pour notre coin plume après. Qu'on va faire juste... Après... Ah bah non! Pourquoi toujours quand je leur fais des coins, toujours ils se cassent? C'était pas possible! J'ai une malédiction! Oh non, non!
Oh, bah du coup, voilà, ça a tout niqué, comme d'habitude. Oh là là. On va parler un petit peu ensemble de la nouvelle ville. Spoil, pas spoil. Non, je l'avais déjà dit dans le dernier épisode. Un petit peu parler ensemble de la nouvelle ville, ça sert à rien d'essayer de trouver le thème, en fait. Parce que je vais vous expliquer quelque chose. Hein. Alors voilà comment ça rend le coin Papa Noël. Voilà. Personnellement, il est super beau. Je l'adore, hein. Mais il faudrait que je lui donne un côté un peu plus Noël. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais à mon avis, ouais. Il va falloir que je trouve une petite dalle, un petit truc comme ça pour rajouter du côté Noël. Je vais essayer de trouver ça. Donc oui, on va parler un petit peu de la nouvelle ville, le temps que j'aille chercher mes plumes. Ça ne sert à rien d'essayer de chercher le thème, comme je vous ai dit, parce qu'en fait le thème c'est un gros bordel. C'est un gros bordel. C'est pas genre le petit thème nature, le petit thème féerique, le petit thème japonais, enfin le petit thème qui rentre dans un mot, voyez-vous. Mon thème à moi c'est une phrase. Parce que évidemment, il faut que je fasse pas pareil que tout le monde, et il faut que je fasse des thèmes de ville qui sont des phrases. Mais genre la phrase de 8 mots, vous voyez. Non, j'ai clairement abusé, je sais, j'en ai conscience, hein, pour ce thème, mais j'espère qu'il vous plaira parce que moi j'ai hâte qu'il sorte. Alors en fait, il n'est pas prévu avant quand même un petit moment. J'espère que j'aurai assez de plumes. Je vais garder mon arbre. Je vais garder mon arbre et mon buisson. Je vais déjà faire avec. Ouais, je vais déjà faire avec ces plumes-là, oui. Ah oui, donc ce sera un coin œuf, oui, vous avez eu un petit spoil, excusez-moi, dans mon placard, hein. Un coin œuf plus tard dans la ville vers chez Misty, avec un espèce de truc de magie que je vais faire et que je vais essayer de reproduire à l'extérieur, oui. Donc voilà, ça ne sert à rien d'essayer de chercher le thème, de chercher le nom de la ville. Je peux juste vous dire que c'est un gros thème à bordel qui réunit, entre autres, quatre thèmes ensemble. Je sais que tu as screené la grimace. On est parti pour notre coin phare plume. Alors oui. Je fais référence à une abonnée qui m'a dit que ça aurait été plus logique de faire le coin coquillage au phare et du coup le coin plume, hein, à la place. Sauf que j'aime beaucoup mon coin coquillage près de la place. Et du coup, j'ai vraiment, vraiment, vraiment pas envie de changer, en fait. C'est comme ça, quoi. C'est moi. J'ai vraiment pas envie de changer. Voilà, j'ai envie de laisser ça comme ça. Donc, du coup, je vais laisser ça comme ça parce que c'est quand même ma ville, hein. Il y en a qui ont tendance à l'oublier, mais c'est quand même ma ville. Je fais ce que je veux dans cette ville. Et je vais poser mes plumes. Voilà, je vais poser mes plumes avec vous. Alors oui, j'ai été très déçue par les plumes. Parce qu'en fait, j'étais persuadée que vu qu'il y avait des plumes de plein de sortes, genre les plumes bleues, les plumes machins, les plumes trucs, hein, et bien en fait, j'étais persuadée que ça faisait... Bah, genre là, j'ai posé une plume rouge, ça faisait une plume rouge. Genre j'ai une plume bleue, ça fait une plume bleue. Bah non, en fait, ça fait le même motif de plumes partout. Voilà. Donc j'ai été assez déçue par mes plumes. Mais c'est pas grave parce que ça rend quand même très joli. Hein, ça rend quand même très joli. Mais j'ai été quand même déçue par ça. Voilà, Nintendo, faites des améliorations. Les pauvres, ils vont se dire, elle nous harcèle, celle-ci. Alors, est-ce que je peux poser une plume là dans l'angle? Ouais. C'est pas ce qu'il y a de plus joli. Hop, je vais poser mes plumes. Donc ouais, j'ai placé des petits lampadaires féeriques parce que j'ai pas encore rempli mes 30 ou 35 projets publics. Je me souviens déjà plus de ce que vous m'avez dit dans le dernier épisode, hein, pour cette ville. Et donc du coup, bah... Je me suis dit qu'on allait mettre ça là. Voilà, parce que c'était bien, en fait. Et que je sais déjà ce que je vais mettre dans notre dernière partie de ville. Je vais mettre des buissons encore ici. Que je sais déjà ce qu'on va mettre, en fait, dans notre dernière partie de ville, en projet public, je parle bien. Et donc, du coup, bah, j'aurais pas mes 30 ou 35 projets publics. Alors, des fois, vous voyez, à Fluffist, les projets publics qui me manquaient, et pas tellement les motifs, parce que les motifs, au final, je m'en suis bien sortie. Mais c'était les projets publics, et là c'est les motifs qui me manquent, mais pas les projets publics. Voilà, comme quoi toute ville est unique à sa personne. Hop, hein. En parlant de Fluffy, il y a l'épisode final qui tarde et qui tarde. Mais parce que je vais pas vous mentir, hein, j'ai pas encore fini. J'ai pas encore fini de finir la ville, tout simplement. Et surtout, j'ai pas fini de chercher mon idée. Enfin, j'ai mon idée pour...
pour la fin, enfin la vidéo qui va servir de fin à Fluffy. Mais en fait, c'est dur à produire parce que j'ai pas envie de faire une visite globale. Je visite ma ville une fois qu'elle est finie, comme j'ai toujours fait sur ma chaîne et comme j'ai toujours vu ailleurs. J'ai envie de faire ça autrement. De pas forcément parler sur la vidéo, à savoir, hein. Je cherche encore comment faire, hein, un petit peu, j'essaye de me chercher un petit peu pour cette vidéo. Et donc du coup, elle arrivera, j'espère, quand même, d'ici 2 semaines, avant, au moment où Midjina se terminera, parce que du coup, il y aura la même, ou dans le même genre, la vidéo de Midjina qui sortira. Et donc du coup, il faudrait que déjà Fluffy soit sorti, sinon j'aurais l'air un peu... On va pas se le cacher. Voilà. Et surtout, comme ça, je pourrais enfin lancer la nouvelle ville tranquille avec vous. Voilà. Hein, pour le nouveau thème que l'on fera ensemble. Hein. Mais ça veut pas dire que, vu qu'il y aura une nouvelle ville sur un nouveau thème, que Fluffy et que Midjina sont à l'abandon. Non, 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 pas du tout. Là, je vous arrête. Je compte bien sûr faire des améliorations en dehors du temps imparti pour, entre guillemets, Midjina et Fluffy. C'est-à-dire que je compte forcément les améliorer un petit peu au fil du temps, quoi. Enfin, il y aura forcément des idées qui vont me venir en cours de route, et donc du coup, oui, je compte les améliorer. Voilà. Du coup, là, je vais encore me retrouver dans un moment posage de sol. Donc du coup, je vous retrouve quand le posage de sol sera terminé. Et bien voilà, j'ai fini la partie posage de pattern à côté de notre phare plume. Donc ça rend bien, ça rend bien. J'ai pas avancé les jours pour que l'arbre pousse parce que je pense que ça va rendre plutôt bien. N'hésitez pas à dire vos avis. Moi, j'aime bien. Ça fait peut-être un peu objet posé, donc oui, en effet, j'aurais jamais la ville parfaite. Avec tous les objets que j'ai posés par terre dans la ville, c'est pas grave. Mais pour moi, ville parfaite ne veut pas forcément dire que c'est Marie qui vous dit si votre ville est parfaite ou pas. Du moment que j'ai débloqué les projets, moi je m'en fiche après qu'elle soit plus parfaite ou quoi que ce soit. Pour moi, ville parfaite, c'est qu'il faut qu'elle me plaise. Voilà. C'est tout, c'est beau, hein. Enfin voilà, donc du coup, j'ai fini la partie phare. J'ai fini la partie de Loompa. Enfin, Loompa, c'est Papa Noël, donc c'est voué à peut-être évoluer. Donc du coup, vu qu'on est à pas beaucoup de minutes d'épisode, je vais quand même vous expliquer ce qui va se passer dans ces nouvelles parties. Donc déjà, tout ici, là, enfin, je vais vous montrer à peu près globalement, et je pense englober peut-être le revente et retouche. Ça fait peut-être grosse partie après. Ouais. Ça fait grosse partie quand même. Est-ce que je m'en tiendrai pas juste à ici pour la partie œuf, la partie pack, entre guillemets, englobant l'habitant, mais vraiment s'arrêter ici, et que là, pour le revente et retouche, on reparte dans quelque chose de galactique, dans quelque chose dans les étoiles. Est-ce que vous avez envie de revoir une partie étoile dans cette ville, parce que c'est vrai qu'il y a deux parties étoiles. Est-ce qu'on n'en rajouterait pas une de ce côté-là? Ça me stresse, hein, dans ce côté-là de la ville, et que du coup on ferait pas un petit revente et retouche dans les étoiles, dans quelque chose comme ça. Ouais, ce serait peut-être pas mal. On va peut-être faire ça. Je vous attends. Je vais vous laisser voter, je vais vous laisser dire dans les commentaires, et il y aura un petit sondage, je pense, là-bas, si je ne l'oublie pas. Enfin voilà, et ici, tout simplement, je vais essayer de faire partir cet habitant pour pouvoir faire quelque chose qui ne va pas plaire à la majorité d'entre vous, je pense, hein, parce que ça va être quelque chose que je vais même pas en parler dans cet épisode, en fait, hein, parce que je vais essayer de faire quelque chose ici qui va être un lieu pour apprendre la magie. Oui, en plein air. Donc j'ai besoin de quelque chose qui normalement n'est pas disponible dans le jeu et que je vais me mettre parce que c'est ma partie, c'est mon jeu, et que du coup j'ai quand même envie que cette partie me plaise, et j'ai vraiment envie de faire ce lieu, j'ai vraiment envie de faire ça, et cette partie m'appartient, je l'ai payée, donc voilà, c'est tout. Donc je vais le faire parce que j'y tiens fortement et je pense que ça rendra bien. Vous verrez ça sûrement dans le prochain épisode. Donc je vais essayer de faire partir cet habitant. Donc c'est qui déjà? Miglou. Ah bah non, pas Miglou. Oh, alors oui, je sais, ça stresse beaucoup d'entre vous que je ne lui parle pas, mais non!
Il gâche un peu la vue à ma maison de Misty. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais si tu pouvais aussi dégager, ça m'arrangerait. Voilà. Rona, quoique si Rona s'en va, je m'en fiche un peu parce que je l'aime pas du tout. Là, c'est qui? Aurore. Ah, et du coup. Du coup, je suis en train de me demander un coin banquise. Mais j'ai plus de place dans mes motifs. Y a pas des motifs qui sont supprimables? Ah. C'est chiant d'en être bloqué parce qu'on n'a plus de place dans les motifs. Sincèrement, moi, ça m'ennuie. Hein. Ça m'embête fortement. Hein. Je ne vais pas vous le cacher. Hein. J'en ai marre d'être réduite à mes motifs parce que j'en ai plus, voilà, et que je puisse plus bah, les utiliser. Attendez, je vais tout simplement, je vais replacer mes sols ici. Ça va jamais être replacé de la même façon parce qu'à chaque fois, Runar, il va revenir s'installer gentiment en mode. Coucou, je voudrais te vendre des tableaux, mais pas les vrais, en fait. Voilà, c'est tout. Hop, donc je replace ceci, parce que quand je vais mettre mon code onirique à jour, il faudrait que ce soit beau, quand même. Hein. Et je vais quand même commencer la partie des œufs avec vous. Donc je vais déjà faire le coin sûr. Le coin qui est devant la caravanerie, sûr, il va être coin œuf. Ça, c'est sûr et certain. Par contre... Si j'ai la possibilité, je ferai un coin banquise et je ferai un coin étoilé. À nouveau, vers revente et retouche. Donc je vais prendre des œufs. J'espère qu'ils ont une couleur différente quand on les... Ah bah non, ils sont tous roses. Ah mince. Ah, je suis déçue encore une fois. Ils vont encore tous être de la même couleur. Ah, je suis déçue, je suis déçue, je suis déçue, je suis déçue, je suis déçue. Il faudrait que je passe mes pétards aussi dans ma ville. Ah, est-ce que les cèdres recommenceraient pas à pousser dans la partie de ma ville? Parce qu'on commence à être dans la partie haute. En fait, vous allez voir. Vous allez voir, on commence à être dans la partie haute. Hein. Du coup, est-ce que les cèdres repousseraient pas? Donc oui, je connais l'astuce, je vais le répéter à plein de vidéos. Je connais l'astuce de planter 1000 clochettes avec une pelle en or. Et du coup, ça vous donne un arbrisseau. Voilà, pas d'arbre à clochettes parce qu'il faut mettre beaucoup plus de clochettes quand même pour que ça vous fasse un arbre à clochettes, mais un arbrisseau. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai pas de pelle dorée. J'ai pas de pelle dorée, mais c'est pas grave, hein. Anna! On connaît la fournisseuse de Fluffy officielle, hein. Voilà, hein, Anna Gamings. Coucou, on te fait des bisous, on t'en fera dans tous les épisodes de Midjina. Alors moi, ce qui me stresse, c'est que il reste la semaine prochaine pour faire tout le coin du haut. Juste un épisode. Pour faire le coin du haut. Bon, en soi, si je vous fais un épisode de 30-40 minutes, ça passe. Mais c'est pas la maison. La maison, elle produit pas les épisodes de 30-40 minutes, ok? Je sais pas faire. Au bout d'un moment, je me dis que vous vous faites chier. Et que vous avez pas forcément le temps, après les cours, de regarder un épisode de 30-40 minutes, quoi. Enfin, même moi, après le travail, j'aurais pas le temps. Je vais pas vous le cacher. Donc c'est pas la maison qui produit les épisodes de 30-40 minutes. Ça, je suis sûre, c'est une fausse pierre. Eh, soit on connaît sa ville, soit on la connaît pas, hein. Il va me falloir des arbres, parce que ici, je vais mettre un arbre. Ici, je pense que je vais mettre deux arbres. Deux arbres, ici. Et là, devant mon truc de caravanerie, je pense que je mettrai un arbre entre les deux. Mais que là, ça va être deux buissons. Je me demande si ça pousse. Normalement, il y a un d'écart, hein. Normalement, c'est possible, hein. On va voir ça, on va voir ça, on va faire des tests. Je vais mettre des... Ah, je vais mettre des bambous aussi. Je vais mettre des bambous dans cette partie-là de la ville. Ah, je pense que ça peut rendre pas mal. Hein. En plus, les bambous, on n'en a pas mis, je crois. On n'en a pas mis. Ah ouais, je vais faire ça, je vais faire ça. Je vais mettre des bambous. Là, du coup... Ah, je sais ce que je vais faire ici devant ma caravanerie. Regardez. Je vais faire mon petit chemin d'étoiles. Hein. Comme ça, enfin mon espèce d'eau à étoile. Hein. Bon, pour aller dans la caravanerie, il faudra marcher sur l'eau. Hein. C'est pas grave, ça dérange personne. Hein. Hop. Et là, ça va être la fin, je pense. Ça va être la fin. Ah non, encore un peu plus loin, je pense. Voilà. Ah bah pile. Ah génial. Ah génial. Franchement, là, je pouvais pas faire mieux. Voilà, pile comme ça. Oui, donc il faudra marcher sur les étoiles pour aller dans la. J'ai cru que j'allais y aller. Ah bah voilà. Du coup, je pense poser quelques œufs avec vous, quand même. Ah non, ils ont une couleur différente! Oh oui! Oh putain, je kiffe, hein. Oh merci! Oui, excusez-moi, on dirait que c'est un truc de ouf, hein. Peut-être que
que voilà. Mais pour moi, c'est un truc de ouf, en fait. Parce que du coup, ça va... Oh, ça va être beau. Oh, franchement, je suis super contente. Hein. J'ai cru que ça allait faire comme les plumes. Enfin, vous voyez, qu'en fait, il n'allait pas avoir d'originalité quand vous allez poser vos œufs. Mais en fait, non. Oh, génial. Oh, franchement, je kiffe. Pour vous, ça paraît rien, je sais, mais... Mais oui, en plus, mais quel... J'en ai mis devant ma... à Chimera, devant mon revente et rouge touche, il me semble, et c'était déjà différent. Oh, classe, 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 classe. Du coup, je pense poser les patterns, réfléchir et prendre note de toutes vos idées. Je me disais, la boule, elle avance toute seule, au calme. Ok, tu fais quoi avec ma boule de neige? Bon, c'est pas grave. Du coup, je pense prendre en note toutes vos idées, etc. De voir pour le coin galactique à nouveau ici, le coin étoile. Voir pour essayer de faire une banquise près de chez Laurie. Mais quand même exploiter les œufs un petit peu ici. Enfin bref. Hein. En tout cas, moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Demain pour Yo-Kai Watch, comme d'habitude. Et je vous fais à tous de gros bisous. Bye bye. Thank you.